le fait d'être parti d'un prisme qui déjà, d'un parallépipède qui déjà n'est pas un volume très simple à percevoir, hein, le fait de l'avoir ouvert sur sa diagonale et d'avoir fait glisser des parties, et ensuite d'en avoir fait pivoter une, génère une forme qui se situe dans un champ de complexité un peu inattendu. Plus la tension est grande entre la force de la tradition, l'authenticité de la culture traditionnelle et la radicalité de la position, de la posture moderne, plus le résultat est intéressant. D'abord, il fallait faire marcher ce projet au sens de l'espace de travail, avec des bureaux vastes, lumineux, les personnes puissent travailler dans des bonnes conditions de confort et en même temps gardant à l'esprit toujours les conditions modernes d'aujourd'hui de fabrication des bureaux, c'est-à-dire cette exposition qu'ont les espaces de travail aux contraintes de durabilité, aux contraintes environnementales. Et le bâtiment aujourd'hui représente une première au Maroc en matière de dispositifs environnementaux. Voilà, cette dimension environnementale est essentielle dans le projet parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une préoccupation planétaire de la consommation de l'énergie qui touche évidemment les bâtiments puisque sur la planète, une grande partie de l'énergie consommée est due à la consommation des bâtiments proprement dit. Donc les architectes se sentent très concernés par cette question et maintenant les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les clients aussi. Et donc là, les instructions étaient très claires. Maroc Télécom voulait faire un projet moderne de l'époque, mais voulait aussi faire un projet exemplaire du point de vue des consommations d'énergie et de son inscription dans une attitude correcte vis-à-vis de l'environnement. Donc ça touche les consommations d'énergie donc traitées par les façades, des pots successives qui permettent de protéger, de ventiler, de diminuer l'intensité lumineuse au poste de travail, et donc en clair d'utiliser peu d'énergie pour chauffer ou pour refroidir ce bâtiment, tout en créant des atmosphères lumineuses et agréables à l'intérieur. Aussi sur l'orientation du bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment crée des ombres sur lui-même, en quelque sorte, dans la journée. C'est cette forme découpée qui porte ombre sur les différentes facettes, ce qui fait qu'il y a toujours des parties à l'ombre sur le bâtiment, donc peu exposées. Enfin, sur la question de l'urbanisme et de la position de ce bâtiment dans le quartier, vous le voyez, c'est le seul bâtiment haut de tout le quartier d'Anaril. Il articule les différentes parties de ce quartier. Il est au bord du parc, et ce qui permet de lui donner un grand dégagement. Et je pense qu'il fournira un point de repère à tous les habitants de Rabat très utile. Je suis en quelque sorte imprégné de l'ambiance et des valeurs du Maroc que j'essaie d'écrire, de traduire, mais sans jamais rester au premier degré de l'écriture. C'est-à-dire que l'architecture permet cette chose un peu comme la littérature extraordinaire ou comme la musique, c'est de transcender les difficultés et les contraintes. Évidemment, les qualités que l'on veut insuffler à cette tour, qui sont celles de l'excellence, l'excellence du design, l'excellence du plan, l'excellence de la réalisation, des techniques que l'on met en place, des concepts, fait que tout est prototypique dans une tour comme cela. C'est-à-dire que la plupart des solutions et des constructions qui sont mises en œuvre n'ont jamais été faites. Et donc, elles présentent une difficulté intrinsèque, en quelque sorte. Il faut les régler les unes après les autres. Donc, on le fait plus ou moins facilement. Donc, quelquefois, il faut essayer, fabriquer des prototypes plusieurs fois pour arriver à la bonne solution. Cela mobilise, évidemment, dans les entreprises marocaines, le meilleur d'elles-mêmes, oblige quelquefois des transferts de technologie et augmente le savoir-faire général. Et le but étant, évidemment, de livrer pour Maroc Télécom une tour unique. On laisse sur le territoire un bâtiment qui a du sens, qui est significatif, c'est-à-dire que on fait progresser d'une certaine manière l'ensemble des villes, l'ensemble des savoir-faire et le bien-être de ses habitants. Je crois que c'est ça pour un architecte la satisfaction la plus grande. On oublie évidemment les difficultés de la réalisation puisque ce sont des projets qui s'inscrivent sur de nombreuses années. Un projet comme celui-là prend 4, 5, 6 années de la vie d'un architecte. Donc c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que l'on donne à un seul bâtiment. Mais je pense que ça vaut la peine. Il reste sur le territoire quelque chose que je pense les gens admireront.